Le Père Noël est un personnage assez intéressant, vu la façon dont il a évolué peu à peu avec le temps. Le Père Noël moderne, celui qui a été popularisé entre autres par les États-Unis, voyage généralement seul. Mais à l'origine, Saint-Nicolas avait avec lui un compagnon malveillant qui était là pour punir les enfants. Que ce soit Belschnickel, le Krampus ou encore le Père Fouettard, ils ont tous un point en commun. Le rôle est de faire ce que le Père Noël ne pouvait pas faire, soit discipliner les enfants qui n'avaient pas été sages tout au long de l'année. Commençons par Belschnickel, personnage tout droit issu du folklore allemand. Il prenait souvent la forme d'un vieil homme avec un masque horrible sur le visage, et il était habillé de vieux haillons, de morceaux de tissu ou encore de fourrures attachées ensemble. Parfois, il était aussi représenté avec des bois de serre sur la tête, et il avait avec lui, en tout temps, un grand sac dans lequel il gardait des branches. A l'instar du Père Noël, Belschnickel évaluait le comportement des enfants, mais de manière totalement différente, et assez étrange pour être tout à fait honnête avec vous. Il visitait les foyers une à deux semaines avant Noël, frappant aux fenêtres avec sa vieille canne. Tout de suite après, il rentrait de force dans les maisons, et il commençait à interroger les enfants pour savoir s'ils avaient été sages ou non. Ceux qui étaient capables de prouver qu'ils avaient été bons, étaient récompensés avec des fruits ou des friandises. Mais les autres, ceux qui étaient incapables de prouver leur innocence, faisaient face au coup de bâton de Belschnickel. Ce personnage trouve ses origines dans la région du Palatinat, dans le sud-ouest de l'Allemagne, et sa légende a migré vers l'Amérique, plus précisément en Pennsylvanie, autour du 18e siècle avec la venue des immigrants allemands. La communauté des Pennsylvania Dutch avait joué un rôle crucial dans la popularisation de ce personnage dans la culture américaine. Pour les fans de la série américaine The Office, il y a un épisode où l'un des personnages, Dwight Schrute, arrive au bureau déguisé en Belschnickel pour Noël. Cet hommage est dû au fait que la série se déroule en Pennsylvanie, où la légende de Belschnickel est assez populaire. Ensuite, nous avons le Père Fouettard du folklore français. Le Père Fouettard partage plusieurs similitudes avec Belschnickel, surtout en ce qui concerne l'apparence physique. Lui aussi se présente comme un vieil homme très grand, vêtu de vieux vêtements noirs, d'une cape usée de la même couleur et d'un vieux chapeau sur la tête. Les vraies origines du Père Fouettard sont assez floues parce qu'il est présent dans divers contes populaires régionaux qui apportent tous leur petite touche personnelle à la légende. Mais il y a un récit en particulier qui est considéré par plusieurs comme étant le plus plausible ou du moins le plus populaire. Dans l'histoire, il y a bien longtemps, trois enfants s'étaient égarés dans la forêt et s'étaient retrouvés dans la maison d'un vieux boucher qui les découpa en morceaux. Plus tard, ce même boucher avait fait la rencontre de Saint-Nicolas, et pour se repentir des actes odieux qu'il avait commis auparavant, il prit le rôle de compagnon. Depuis ce temps-là, il agit en tant qu'assistant de Saint-Nicolas, et il est chargé de discipliner les enfants qui n'avaient pas été sages tout au long de l'année. Une autre version, par rapport aux origines du Père Fouettard, nous vient directement de Metz, en Lorraine. En 1552, la ville de Metz avait été assiégée par l'empereur Charles Quint. Alors pour se moquer de lui, et en même temps donner un peu de courage aux habitants, la corporation des tanneurs avait eu l'idée de fabriquer un mannequin ridicule, muni d'un fouet pour le représenter. Avec le temps, cette image d'un vieil homme grotesque maniant le fouet s'était peu à peu transformée pour devenir le Père Fouettard moderne. Finalement, nous avons celui qu'on surnomme le démon de Noël, le Krampus. Cette créature cauchemardesque est issue du folklore alpin et ses origines remontent aux anciennes croyances païennes des célébrations d'hiver. Tout comme la grande majorité des traditions païennes, la légende du Krampus s'était entremêlée avec les célébrations de Noël à mesure que le christianisme se répandait en Europe. C'est une créature reconnue pour son apparence sinistre. Il est souvent représenté avec des cornes de bélier, une longue langue pendante, des crocs acérés et des sabots fondus. Le rôle de Krampus est similaire à celui de Belschnickel, du Père Fouettard ou à tout autre acolyte du Père Noël. Il est là pour s'assurer que les enfants qui n'avaient pas été sages regrettent amèrement leur décision. Généralement, l'apparence effrayante de la créature suffisait à leur faire regretter leurs actions et à les amener à promettre d'être sages. Mais si ce n'était pas suffisant, alors ils sortaient les grands moyens. Ils fouettaient les enfants jusqu'à ce qu'ils obéissaient
et si ce n'était toujours pas assez, alors il les jetait dans son sac pour les emmener en enfer avec lui. Il y avait aussi un jour spécifique entièrement dédié à lui, le Krampusnacht. Le Krampusnacht avait lieu le 5 décembre, juste avant la fête de Saint-Nicolas. Pendant la nuit, la créature errait dans les rues à la recherche d'enfants désobéissants à punir. Cette nuit théâtrale et symbolique rajoutait une petite touche unique et sinistre aux festivités de Noël traditionnelles. En fin de compte, sans ses compagnons espiègles avec lui, le Père Noël ne serait pas vraiment complet, il n'y aurait aucune malice pour équilibrer la joie festive des fêtes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez la version moderne du Père Noël qui vit au pôle Nord avec des elfes qui travaillent à la chaîne, ou la version de Saint-Nicolas qui se promène avec un démon comme assistant personnel? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Bref, sur ce, c'est ce qui conclut cette petite vidéo sur les compagnons du Père Noël. Merci à tous ceux et celles qui suivent et supportent la chaîne, c'est très apprécié, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la toute première fois, je vous invite à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu similaire sur l'histoire et la mythologie. Merci encore tout le monde, et à la prochaine.